Merci beaucoup, Zeynep. Merci à vous d'être tous là. Et donc, Toto a colori, c'est le premier film. Alors, normalement, je parle sans notes, mais là, je suis obligé parce que cette façon de faire une mosaïque entre l'écrit et l'image fait que je suis contraint. Donc, je vous parlais, mais je pourrais vous parler vraiment de beaucoup d'autres choses. Alors, Toto a colori, c'était le premier film italien en couleur en 1952. Et c'est le premier film que signe seul Stefano Vanzini, qui a pour pseudonyme Steno. Il est de 1952, avec Toto dans le rôle du musicien Antonio Scanagatti. C'était Antonio égorge chat, parce que ses voisins ne pouvaient pas le supporter quand il jouait de la musique. C'est pour ça que, d'ailleurs, que son beau-frère le poursuit ici et veut le tuer parce qu'il n'est pas devenu célèbre, parce qu'il lui a menti, etc. Alors le beau-frère sicilien veut tuer Toto. Et l'autre personnage important de ce film, c'est Mario Castellani, c'est l'acteur Mario dans le rôle de l'honorevole Cosimo Trombetta. Hein. Il y a un passage inouï pour ceux qui peut le voir, vous pouvez le voir en continu hein, sur n'importe quel écran que vous avez devant vous pour travailler. Fait à le rôle de l'honorevole Cosimo Trombetta, Mario Castellani. Alors ce rôle est inspiré, c'est la fille Liliana de Curtis, la fille de Toto qui l'avait dit, et confirmé qu'il a été inspiré par l'honorevole Giulio Andreotti. Sept fois président du Conseil, marionnette du pouvoir, mafieux, et à la fois montreur tenant les fils de tous les politiques. Ce qui a donné le Divo pour le film de Paolo Sorrentino. C'est ce que nous a révélé Liliane, la fille d'Antonio De Curtis. Le prince de Curtis, autrement dit, sur scène et à l'écran, Toto, dit aussi « il principe della risata », le prince de l'éclat de rire. Et son corps marionnettisé, c'est un mot qui a été inventé par Anatole France, et je crois que c'est bien de faire se rejoindre les siècles et désarticulé. Alors, comme un ex-voto, je dirais que c'est comme un ex-voto anatomique. Vous savez sans doute que beaucoup de chapelles dans les églises de Naples ont des ex-voto anatomiques, c'est-à-dire anatomiques. On ne dit jamais le mot anatomique, parce que l'Église n'aime pas tant que ça d'anatomique. C'est comme les sept œuvres du Caravage de la Miséricorde. On oublie que le titre total, c'est de la miséricorde corporelle. Anatomique, corporelle. Le corps parle à Naples et on ne comprend rien si on n'a pas le langage du corps. Et vous voyez le langage du corps, jusqu'où il peut aller. Donc, des ex-auto-anatomiques, c'est-à-dire toutes les parties du corps exposées, la tête, les bras, les jambes, le foie, les seins, tout ce qui compose un être humain est exposé parce que le corps, certaines parties peuvent tomber malades et ce sont des ex-auto en métal, derrière lesquels il y a la date et le nom écrit à la plume de la personne qui a guéri. Hein? Grazie a fatta, c'est la grâce faite, grazie a voto, pour les prières, etc. Et on remercie la Vierge ou un saint ou un protecteur de cette grâce d'avoir été guéri. Donc, il me fait beaucoup penser aux ex-voto anatomiques, Toto, dans tous ses films, parce qu'il est tellement napolitain qu'il n'y a pas un film, c'est comme il n'y a pas un napolitain au monde, ici pour être perdu dans les steppes, on reconnaît qu'il est napolitain. Et Toto, dans tous les films de Toto, sont des films qui communiquent entre eux. C'est-à-dire, vous en voyez un, vous voyez que l'un répond à l'autre, les personnages se répondent entre eux, même si, très souvent, c'est une famille, hein, comme une famille théâtrale. Même si les acteurs sont différents, les thèmes et les personnages reviennent sans trêve et vous avez, comme vous avez la comédie humaine de Balzac, vous avez la comédie humaine au cinéma avec Toto. Et en voyant et revoyant cette scène admirable que nous avons vue au départ, je ne peux m'empêcher de penser à Rudolf Nureff.
Alors, c'était le 13 décembre 1990 à Naples, 2 ans avant sa mort. Il est mort en janvier 1993. Et il dansait Petrushka au théâtre Mercadante. L'étoile du Kirov interprétait pour la dernière fois de sa vie dans la diagonale, c'est la plus longue de la scène, dans la diagonale de la scène. Il sautait d'un battement, il avait beaucoup de difficultés, il transpirait. Il ne savait pas encore qu'il avait le sida, mais il se donnait comme ça. Et c'était, je crois, les Napolitains l'ont vu aussi, encore mieux que quand il volait dans sa jeunesse en dansant, quand il prenait ses élans comme ça, et que dans certains de ses élans, il me l'a confirmé, etc., il était tellement heureux face au public qu'il jouissait, il éjaculait face au public en s'envolant comme ça. Donc là, ce n'était pas le cas. Là, il était très lourd. Il était, il essayait d'être le Pulcinelle, le Petrushka, hein, qui était fait pour, pratiquement pour lui. Et il retombait lourd, vieilli, fatigué. Le sida le fatiguait. Il dansait le masque des masques Pulcinelle. Alors, tout de blanc vêtu, naturellement, je vous le rappelle, demi-masque noir, demi-masque Pulcinelle, avec le bec, la verrue. Et le demi-masque, c'est un masque qui est un masque de frontière. C'est-à-dire que vous avez tout le monde à ce masque-là, et le masque de la faim, de la soif, de la sensualité, ce n'est pas masqué, c'est la bouche, c'est le nez. Le nez disparaît, mais vous avez ce demi-masque. Et tout blanc vêtu. Alors, ce qui est, il est bicolore toujours, Pulcinelle. Et avec Nureyev, il y avait cet accord, le bitonal Krik Petrushki, ce qu'on appelle le Krik Petrushki, le Krik de Petrushka. C'est l'accord parfait, alors je vous le dis, je ne suis pas un musicien, mais c'est l'accord parfait entre le Do et le Fa dièse, recréé dans Petrushka par Stravinsky, que Prokofiev traitait de, son Stravinsky, son Petrushka, de chaos pourri. Vous savez, Pirandello est né dans un endroit qui s'appelle Lukavuzo, à côté d'Agrigente, et c'est le chaos, c'est-à-dire la nécessité du chaos pour toute création. Et je trouve que je ne sais pas si c'était avec méchanceté qu'il disait que c'était comme un pot pourri, hein, c'est-à-dire un chaos pourri, mais je trouve que c'est assez juste, c'est assez juste. Et le cri Petrushki de ce masque immortel. Alors après, avec Nureyev, nous sommes allés avec des amis au restaurant perché de l'hôtel Vesuvio, et il était assis à ma droite. Et puis à cette époque-là, on fumait à table, hein, on ne s'arrêtait jamais quand on fumait. Et il me dit « t'as une cigarette ?» Je dis « oui ». Alors il était habillé, alors il est sorti, il était le contraire de Pulcinelle quand il est sorti du théâtre. Il avait le visage pâle, vraiment affaibli, et un grand manteau noir. Il y avait une bouteille de vodka dans le manteau noir, et il était vraiment le contraire, mais en même temps très Pulcinelle, puisque le contraire, les contrastes, le contraste de la scène, de la rue, le noir, etc., c'était vraiment, on était dans ce que j'ai appelé le baroque existentiel. Et je lui dis oui, oui, j'ai des cigarettes, alors j'ai le temps. Et l'après-midi, Lello Esposito, le sculpteur, l'artiste napolitain, m'avait donné une masquette de Pulcinelle, pas plus grosse que ça, et en terre cuite, noire, avec toutes les rides du front, avec la verrue, etc. Alors, sans le faire exprès, je sors le paquet et sors la masquette aussi. Et il me dit, qu'est-ce que tu as là? Alors, je lui dis, ben, regarde, c'est le petit masque de Pulcinelle, là. Alors, il me dit, fais voir. Il le prend, il le regarde, il le retourne dans le vide du masque, il prend une fourchette et il grave R, N à l'intérieur et il me dit, tiens. Vous voyez, toutes ces choses, cette reconnaissance qu'il était, lui, Pulcinelle, complètement aussi. Parce qu'il était à la frontière, je vous ai dit un masque de frontière, mais c'est un masque de frontière entre la vie et la mort, entre la naissance et puis l'éternité par
cette naissance curieuse quand les petits poussins et Pulcinella a de naître de la bosse de leur père. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a la panse qui est, et puis la bosse, c'est la contropanza. C'est comme si on faisait l'équilibre entre les deux qui donnent une forme d'œuf à Pulcinella, entre sa bosse et sa panse. Alors, nous avons dîné, on fumait, etc. Et il habitait, il me dit, tu sais, j'ai une île, je voulais une île en Méditerranée. Et cette île, c'est l'Isola dei Galli, qui, très curieusement, l'île des coqs, vue en hélico, a la forme d'un dauphin. Alors là aussi, mais vraiment la forme d'un dauphin qui nage comme ça, qui est vraiment. Et son île s'appelle l'île des coqs, l'Isola dei Galli. Et c'est toujours là dans cette métamorphose, hein, je ne vais pas insister là-dessus, mais ce qui m'a fait beaucoup penser en revoyant les films de Toto, j'en ai pris une bosse, comme disait Flaubert dans sa correspondance, quand il voyait et revoyait des épisodes qui serviraient à ses romans, il disait « je m'en suis fait une bosse ». Et je pense que c'était au XIXe siècle et ça donnait le terme « bosser » plus tard. Je m'en suis fait une bosse. Donc, j'ai pensé immédiatement à Nouref. Il vivait sur l'île mythique des sirènes. Hein, c'est les sirènes d'Ulysse, etc. C'est derrière la côte amalfitaine. Et son médecin traitant et ami... nous avait confié qu'il was, vers sa mort, la veille de sa mort, hein, he was Petrushka, the disjointed puppet, broken and miserable. Donc il y avait une appropriation, et même jusque dans la mort. Et ce passage, vous allez voir dans tous les extraits et dans la vie de Naples, entre la vie et la mort est essentiel. Cimetière des Fontanelles et qu'on voit etc., dans le voyage en Italie, mais tous, vous savez, il y a l'église des âmes du purgatoire en plein centre historique, et bien via des tribunali. Et bien moi je l'ai visité, maintenant on l'a un peu arrangé, mais je l'ai visité quand elle n'était pas ouverte au public, et on descendait dans l'hypogée de l'église. Et là, il y avait des femmes qui, à 10 heures du matin, qui faisaient leurs courses, qui avaient fait leurs courses en surface et qui descendaient elles aussi. Et puis, j'en ai vu une, en partie je me souviens toujours, qui s'est approchée d'un crâne. Elle a posé son sac avec des poireaux, etc., des oranges. Et elle a pris le crâne, un des crânes qui était là, elle l'a baisé et lui a parlé. « Ah, mon beau capitaine, tu sais ce qui m'est arrivé ?» Elle racontait sa fille, son fils, son mari, etc., ce qui lui était arrivé la veille, l'avant-veille. Elle baisse le crâne, elle le dépose, et elle sort et continue à faire ses courses. Donc c'est ça, ce rapport. Si la conscience de la mort augmente le besoin d'existence, le carpe diem, si vous voulez, cueillir le jour... vous avez dans la grammaire napolitaine, j'ai fait enseigner la langue napolitaine à l'Institut français de Naples quand je le dirigeais, au grand scandale des universités, enfin des officiels. Je l'ai fait enseigner parce qu'il n'y a pas d'échange culturel sans échange linguistique. On ne peut pas imposer sa propre langue dans un pays si on n'a pas l'échange de cette langue qui est primordiale. Et la langue napolitaine, ce n'est pas un dialecte, c'est une langue. C'est la deuxième langue d'Italie, reconnue par l'UNESCO, etc. Mais c'est une langue qui a une littérature extraordinaire. Si vous prenez, c'est pour ça qu'il est très important, le Toto, c'est la langue, c'est le geste et la langue. Mais c'est tellement de jeux de mots napolitains qu'à moins de connaître bien et dans ses détails, etc., des choses nous échappent. On comprend parce que le geste accompagne. Et cette langue est tellement fidèle à l'esprit napolitain qu'elle n'a pas le temps du futur. Le temps du futur n'y existe pas. On ne dit pas « je ferai », mais on dit « dimani faccio », « demain je fais ». C'est un présent qui se nourrit du passé, mais qui est toujours un présent. Le futur, on ne sait pas trop.
On sait pour conserver quoi, ce qu'on va devenir, un bas de laine, etc. Mais alors on ne vit plus au présent. Donc la vie napolitaine est une vie au présent, et on voit très bien dans l'expression extrême de la napolitanité, si on peut dire, de Toto, que c'est une vie aussi au présent. Et il avait l'habitude de dire, Toto, que, par ce reflet tragique de Toto que je vous ai donné avec la dernière apparition de Nouref et sa mort, Toto disait toujours, un de ses mots c'était « ridere et una cosa seria ». Rire est une chose sérieuse. Et vous voyez que pour comprendre Toto, il nous faut passer aussi sous le masque de Pulcinella, hein, lui qui avait toujours en 100 films, hein, quasiment 100 films où il est personnage principal, puis il y a d'autres films, donc il y a plus de 100, le visage sur le masque, il avait toujours le visage sur le masque. En fin de compte, son visage est le masque de Pulcinella. Ce que nous ferons quand Toto pondra des œufs, comme vous le verrez. Toto, donc, d'abord, ses dates de naissance et de mort, 1898, il naît à 3 semaines de différence à l'apparition dans l'Aurore du texte de Zola pour soutenir le J'accuse de Zola, hein, même année. 1898 est quasiment le même mois. 1967, les 10 dernières années de sa vie, il était complètement aveugle. Il a joué des films. Un jour, alors ça c'est Franca Faldini, sa dernière compagne, qui le raconte. Le 3 mai 1957, il devient aveugle sur scène. Il jouait avec Franca Faldini au théâtre Politeama de Palerme. Et en jouant, il jouait avec elle, hein, t'es sur scène, il lui glisse qu'il n'y voit plus rien. Mais il a continué, et il a continué à jouer parce qu'il a toujours dit que lorsqu'il entre en scène, il voit tout. Et il dit, mais ça doit être un effet au tchac d'un film, il voit tout, et ça doit être un effet nerveux. En fin de compte, vous voyez dans certains films où il regarde comme ça de côté, parce qu'il avait une petite vision de côté, mais il en joue. Il fait comme ça, voilà. Donc Toto naît, Antonio, alors quel est son nom, le nom de Toto, parce qu'il faut le savoir. Toto vient naturellement d'Antonio, Totonno et sa mère, Anna Clemente, qui était une mère célibataire. Après, le père de Toto l'a épousée, une vingtaine d'années après. Donc, il était fils d'une fille-mère et de N.N., Niente Nome, le père, à l'origine. Mais son nom, qu'il a rattrapé, est le suivant. Antonio Grifo Focas Flavio Dicas Comneno Porphyrogenito Gagliardi Decortis de Byzance. Altesse impériale, comte palatin, chevalier du Saint-Empire, romain, exargue de Ravenne, duc de Macédoine et d'Illyrie, prince de Constantinople, de Sicile, de Thessalie, du Pont, de Moldavie, de Dardanie, du Péloponnèse, comte de Chypre et d'Épire, comte et duc de Livrasto et de Durazzo. En somme, Antonio, que sa fille mère appelait Toto, naît, il naît. Il naît, c'est le verbe le plus adoré de Toto. Nascere, naît, sonnato. Verbe adoré, sonnato, c'est-à-dire il affirme sa naissance par rapport à la mort, par rapport à tout ce qui est mort, le crâne, etc. D'Anna Clemente, épousée elle, qu'elle épousera en 1921, vous voyez, 21, Giuseppe De Curtis. En 1946, il a fait tellement de démarches, et une partie de sa bibliothèque chez lui, c'était de l'araldique. Ouais. Donc, il fait ses démarches, et en 1946, le tribunal de Naples
reconnaît à Antonio De Curtis, dit Toto, le droit à tous ses titres. Il n'y a qu'une chose qu'il n'a pas pu avoir. J'habitais Naples, je faisais des cours à l'université de Salerne. J'organisais les cours de français, j'en dirigeais pendant une année ou deux, je les ai dirigés. Et on passe, quand on va à Naples en voiture, à Cava dei Tirreni. À Cava dei Tirreni, à la mairie de Cava dei Tirreni, il y a le portrait qui doit dater du XVIIe siècle sur fond vert, le portrait de l'ancêtre de Toto, un des ancêtres. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'il s'est reconnu dans cet ancêtre, il a toujours voulu l'acheter à la mairie ne l'a jamais vendu. Il y est toujours. Si vous passez à Cava dei Tirreni, vous pouvez voir le portrait de Toto dans la mairie. Mais la chose curieuse est la suivante, c'est qu'en cherchant bien, j'ai vu que Toto, c'est d'un coup de poing, dans un jeu de boxe, disons, sportive, qu'il a eu son menton déplacé. Mais en fin de compte, son ancêtre avait le menton déplacé aussi. Vous voyez les communications, c'est le même coup de poing, où c'est, il s'est identifié à cet ancêtre, dont il a vu le portrait à la mairie de Cava dei Tirreni. Toto naît donc, e io modestamente nacqui, ou encore, signore si nasce, e io modestamente nacqui, et moi modestement, je naquis, je suis né. Et même le titre d'un film, farce cinématographique de Mario Mattoli, 1960, s'appelle, comme pour titre, Signore si nasce. Naître, le verbe qu'il adorait, comme si chaque jour, à chacune de ses apparitions publiques, il naissait. Et déjouer ainsi la mort, qu'on appelle à Naples, et qu'il appelait, il a fait une poésie, et ça c'est un recueil que sa petite fille m'a donné, un recueil de poésie et de chansons, et c'est, qui vient de sortir, tout regroupé. La mort à Livelle. À Livelle, celle qui nivelle, c'est-à-dire que vous soyez prince, parce qu'il en jouait un de ses titres, mais il savait très bien qu'il était né à la Sanità, c'est-à-dire un des quartiers les plus pauvres de Naples. Donc, je vous en parlerai après, mais donc il jouait, c'est-à-dire que vous soyez prince, riche ou pauvre, la mort nous nivelle, à Livelle. Et puis, il disait aussi, hein, je crois que c'était aussi une pensée de Camus. C'est très curieux qu'ils se rejoignent, c'est que quand on avait affronté la mort, on pouvait rire de tout. C'est un petit peu ça, la présence de la mort fait qu'en somme, on peut rire de tout, y compris de la mort. Dans notre civilisation occidentale, par exemple, à Paris, vous ne pouvez pas voir un enterrement. Vous ne pouvez pas voir circuler, etc. Il n'y a rien, sauf pour des chanteurs très connus, ou tout ça. Mais dans la vie commune, on ne sait pas où passent nos disparus. Et donc on cache notre civilisation, qui est une civilisation classique, contrairement à la civilisation baroque. D'ailleurs, dans nos pièces classiques, chez Racine, le crime n'a jamais lieu sur la scène. Il a toujours lieu dans les coulisses. Regardez la différence avec Shakespeare, par exemple, pour prendre... le crime a lieu sur la scène. Donc la mort qu'on escamote vous enlève de la vie. Donc, avec Toto, la mort est présente, mais c'est pour un excès de vie. Alors, à Livelle, la mort qui nivelle les grands, les petits, la société, etc. On va voir. Toto naît donc le 15 février 1898 dans le quartier de la Sanità, nécropole de Palaiopolis. Palaiopolis, c'est la vieille ville par rapport à Néapolis, qui est la ville historique qu'on visite d'habitude, mais Palaiopolis, c'est la ville qui commence au château de l'œuf et qui remonte vers la colline de Montecchia. Oui, c'est ça, Palaiopolis, c'est l'ancienne ville. Et l'ancienne ville a été fondée, non pas qu'on vous le raconte, par les Grecs venus de Cume, de Ischia, Pithecusa, Ischia et de Cume. Ils ont fondé Naples. Non, pas du tout. Naples a été fondée par les Rhodiens parce que c'était en Grèce, juste maintenant dans la Turquie, en Grèce, c'était le seul lieu où il y avait le culte de la sirène. Et c'est les Rhodiens, en venant à Naples, qui ont introduit, en s'installant à Palaiopolis, le culte de la sirène. Vous savez, entre Palaiopolis et Néapolis, les Romains qui
voulait être là pour soumettre les deux villes et peut-être les réunir, je ne sais pas, eh bien, il y avait l'armée romaine entre les deux villes, dans la ville de Naples, et qui campait. Donc, il y avait une certaine distance, une certaine différence. Et il est né à la Sanita, qui était la nécropole, donc naître dans une nécropole. Ça fait penser que Toto, quand Toto cherche à casa, il cherche un appartement. En fin de compte, il quitte, on verra l'extrait de l'œuf quand il est encore, il squatte encore là, avec sa famille, l'école après la guerre. On ne sait pas où se loger, etc. Tout a été bombardé. Bon, ça se passe à Rome, mais n'oubliez pas que Naples est la ville la plus bombardée d'Italie. La plus bombardée d'Italie. Des tonnes de bombes qui faisaient quasiment une tonne, quelques-unes, puis par les Américains, mais aussi il y a les derniers avions, avant d'aller à Cassino, les derniers avions allemands. Donc, subi, tout était démoli. Donc, il naît dans cette nécropole, au 109 de la Via, à Santa Maria Antesecula. Vous vous rendez compte, Santa Maria Antesecula, Sainte Marie d'avant les siècles. C'est-à-dire d'avant qu'on compte les siècles. C'est-à-dire il naît avant le décompte des siècles, avant tous les temps. Comme Naples, il stratifie les siècles et les millénaires. Il naît non seulement bien, noble de cœur et d'esprit, il naît donc immortel dans l'univers napolitain. Non pas dans l'être ou ne pas être, qui est banal, être ou ne pas être. Si vous mettez un brasero ici et vous libérez un animal, l'animal ne va pas sauter dans le brasero. Hein, il l'évitera, il veut être. Mais Naples est beaucoup plus fin, parce que la chose qui agit les Napolitains profondément, c'est apparaître ou ne pas apparaître, c'est la question. Et si vous pensez à apparaître, c'est vraiment le sommet de la civilisation. On apparaît. On est civilisé, et plus on est civilisé, plus on apparaît. Avec toute la façon de vivre, de s'habiller, d'être avec les autres, avec soi-même, etc. Apparaître ou ne pas apparaître, c'est la question à Naples. Donc, apparaître ou ne pas apparaître, donc, on le voit très bien dans Misère et Noblesse que vous avez vu, hein, le film qui a précédé. Une réplique dans le film L'enlèvement des Sabines, film qui n'est pas très, très, très connu, de 1945. Alors, Toto dit, mais Aristophane est mort, et quand ça? Il y a 2000 ans? Mon Dieu, comme le temps passe vite. Vous voyez, c'est quand on vit à Naples, quand on comprend Naples, on circule dans la ville actuellement, eh bien, on peut avoir la conscience de 3000 ans stratifiés, c'est-à-dire dans tout ce que vous voyez, dans tout ce que vous entendez, dans la façon d'être des Napolitains, vous avez 3000 ans de civilisation stratifiée. La vie, la mort, le culte des nouveau-nés, le culte des morts, l'un ne va pas sans l'autre à Naples, où tout se joue dans la grammaire de la langue napolitaine, je vous l'ai dit, le présent, carpe diem. Toto naît à quelques encablures de l'ancienne Atella, ça c'est très important, devenue Averse. Pourquoi on a appelé Atella Averse? Parce que Atella, c'est juste au nord de Naples, hein, à quelques encablures, Atella était le lieu des Atellanes, c'est-à-dire des farces, qui venaient de la Grèce et qui ont été installés par les Romains, c'est-à-dire des moqueries du pouvoir. Et Toto est un grand révélateur des pouvoirs, est un grand révélateur. Dans l'Honoré volé, le film s'appelle L'Honoré volé, c'est-à-dire le député. Hein. Vous savez, à un moment donné, un député on veut l'élire député, pourquoi? Pour qu'il serve les intérêts de ceux qui le font élire. Qui le font élire. Et ils sont trois ou quatre comme ça qui lui disent, oui, alors vous promettez des maisons. Je promets des maisons. Vous promettez des fognes, vous promettez... Enfin, tout ce qu'on nous promet quand on fait autour de vous des élections. Et puis alors il fait à un moment donné, alors je promets, mais alors... et alors les imbéciles, ils vont croire que... Oui, bien sûr, c'est comme ça, promettez. Et puis,
on se partage entre nous tout ce qui est service public et construction publique. Si bien que quand il prend le micro, il dit « Je vais vous promettre ça et ça, et vous me croyez ?» Alors, si vous me croyez, vous êtes tous des imbéciles. Alors, il se fait huer, etc. Donc, l'honneur est volé. La politique, il la dénonce là directement, mais dans tous ses films, son rire, c'est un rire qui vient des Athélanes. Hein. Et les Athélanes, on a supprimé leur nom, le nom de la ville, et on l'a remplacé par Aversa. C'est la ville d'Aversa. Et 50 000 habitants, à peu près. Et la ville d'Aversa, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'adverse. Et Aversa continuait à être une ville où, qui ne supportait pas les pouvoirs, et elle a été appelée l'adverse, elle a été rasée au cours des siècles, très très souvent. Donc, Toto a cet esprit. Et ce que je vais vous ajouter, c'est que, c'est important pour la suite, Aversa, le blason d'Aversa, est un coq avec une queue de dragon. Pour un cocorico qui résonne au bord des enfers, et on ne peut pas raisonner, parler de coq et de gallinacé si on ne les voit pas au pied de Déméter, qui est à l'entrée des enfers, au bord du lac d'Averne, derrière le Posilipe. Imaginez le lac d'Averne, puisque j'y suis, tant que je vous le dise, 0,50 km² de surface, c'est un lac rond, un lac volcanique, et bien autour de ce lac, il n'y a rien de moins que Homère, Virgile, Dante par procuration, puisqu'il suit Virgile en enfer, et Ovide. Regardez, le cœur de notre culture occidentale, de nos lectures, de tout ce qui va faire qu'on est qui on est, et pour le monde entier d'ailleurs, hein, pas rien que pour nous qui sommes bénis d'avoir des auteurs pareils. Donc, voyez... l'exercice, son père devient... Bon, c'est, alors oui, voilà, les mimes qui étaient les plus connus, c'est Macus en latin, Makoao en grec, qui veut dire un être sot. Alors, un être sot, faire attention, parce que c'est le bouffon. Et le bouffon, c'est le bouffon de la ville. Voyez, n'oubliez pas, enfin, peut-être que vous ne savez peut-être pas, mais la Camorra, la mafia napolitaine, hein, je le dis pour ceux qui savent. La Camorra a été fondée avec les premiers vice-rois au début du XVIe siècle par un fou de cour qui s'appelait Camilluto Ozzanuto, petit Camille ou grande dent. C'est-à-dire que c'est celui qui dit, en fin de compte, au pouvoir ses faiblesses et qui peut révéler aussi tout ce qui est négatif dans le pouvoir, la Camorra. Et c'est une Camorra qui est restée très longtemps. Elle a été fondée à cette époque sur les textes jésuites. Il y a un lien très fort entre toutes ces organisations, les religions, etc. Qu'est-ce qu'un kivabos, c'est-à-dire un petit camoriste? Je ne pense plus que ça se fasse maintenant. Hein, c'est à l'époque de Gomorre, hein, donc c'est autre chose. Et de leçons données pour former de jeunes camoristes à travers le petit écran. Donc, il doit être, par rapport à son chef, à son boss, perinde ac cadaver. C'est ce que disent dans les textes jusqu'au XIXe siècle que j'ai vu. Perinde ac cadaver, c'était la phrase qui était dite, c'est-à-dire comme un cadavre. Exactement comme le prêtre qui se couche et qui reçoit son sacerdoce, il se couche de tout son long et il est comme un cadavre, parce qu'il est dans l'obéissance absolue. Et puis c'est un être sot, un bouffon de la ville, mais dans une ville comme Naples, où tous les Napolitains sont rois de leur existence, naturellement, ils sont aussi les bouffons du roi. Donc, ils sont à la fois l'un et l'autre. Toto, qui est à la fois Toto, mais en même temps le prince de Curtis, mais qui en même temps est de Byzance. Imaginez Byzance, c'est vrai. Et qui en même temps
celui qui fait rire. Alors, il y a une anecdote qui me vient à l'esprit et qui est très amusante. Il habitait les Parioli, un quartier très comme à Neuilly, quoi, à Rome. Et son concierge le saluait tous les jours, Principe, prince, et puis bon, il montait dans sa voiture. Et puis alors, un jour, son concierge lui dit, je sais que, Principe, je sais que vous êtes très applaudi dans une salle là, de théâtre, est-ce que... Et Toto lui donne, pour le soir même, 2 billets. Et il raconte, Toto, que le lendemain, au lieu de lui dire Principe et de le saluer comme ça, son concierge a éclaté de rire au nez. Et il a ri tout le long. Alors, il avait ces deux côtés-là, le côté qui faisait rire et le côté... Bon, c'est vrai. Polichinelle, c'est bien de Polichinelle, mais ça veut dire polykinésis. Aussi bien de polykinésis, probablement. C'est-à-dire le saut qui bouge. Kinésis, c'est cinéma, hein, en grec. Kinésis, le saut qui bouge. Et le révélateur de ce qu'on est. Le masque de frontière, demi-masque. Et alors, si je prends, par exemple, une Diderot qui a fait faire son portrait par Garand, quand il a vu son portrait, il a dit, en italien, « Ecco il vero Pulcinella », en se regardant, Diderot. Et ça rappelle une anecdote, c'est qu'il y avait deux tréteaux à côté du château du Masque Angioino, du château des Angevins à Naples. Et sur un des tréteaux, il y avait un prêcheur avec une croix qui disait « Mes fils, regardez le sacrifice, Dieu, Jésus, etc., la Trinité ». Et puis à côté, il y avait un tréteau avec Pulcinella. Le prêcheur n'avait personne. Et Pulcinella, alors là, c'était les éclats de rire, les gens étaient là. Et alors le prêcheur, tout d'un coup, s'est mis en colère et il a dit « Mais alors, venez ici, c'est lui le vrai Pulcinella », en montrant le Christ en croix. Et c'était pas assez, vous savez, on est tous Pulcinella, on a tous cette qualité qui est profonde et qui est loin du Pulcinella français. Il y a énormément de Pulcinella à travers le monde, hein. Il y en a même un en Amérique du Sud, il y en a en Afrique du Sud, pardon. Il y en a en Turquie, il y en a partout, Punch, etc. Mais il est vrai que c'est le masque des masques, mais en même temps, c'est le masque qu'on porte tous, qu'il y a une métamorphose en nous. Et dans la mesure où on accepte les métamorphoses, on est vivant. Les gens qui sont sans métamorphose sont des gens qui sont suspendus. Alors, donc, je vais vous passer le visage sur le masque, des masques de toute contradiction humaine, des métamorphoses, du plus obscène au plus sublime, de tous les contrastes, et c'est Toto. Et dans les vagues noires des rides de son front, au-dessus de son nez en forme de bec et de sa verrue sanctifiée par l'ancêtre de Toto, sur scène, le comédien et dramaturge quasi analphabète, et qui faisait des textes de théâtre, était analphabète. Mais il y a eu des musiciens qui ne savaient pas la musique, qui étaient extraordinaires à Naples, et qui, par l'oreille et par la musique de leur voix, ont créé. Eh bien, celui-ci s'appelait Antonio Petito. Il s'appelle toujours Antonio Petito. Il est né en 1822, mort en 1876, vous voyez. Eh bien, il est mort en scène. Et son fils, parce qu'il était dans une famille, son fils le recueille dans les coulisses. Et il dit, « Papa, dis-moi, il voyait qu'il allait mourir, dis-moi, comment sait-on qu'on est vraiment Pulcinella ?» Et le père, avant de mourir, lui dit, « Tu presses la verrue et elle te fait mal. » Voilà. Et les enfants, j'ai dit, naissent. Alors, ce qui est très important aussi, c'est la naissance, la mort. Donc, Pulcinella représente tout ça avec Toto. Et il naît tout habillé au sortir de la bosse de son géniteur, et avec sa large flottante sous-quenille, vous voyez ce espèce de drap qui circule comme ça qu'il a sur lui, masque noir, sous-quenille blanche. Et cette sous-quenille, qu'est-ce que c'est en fin de compte? C'est le drap de l'accouchement,
Le drap mouillé des amours, aux heures contraires, qu'on appelle les heures contraires à Naples, c'est-à-dire les heures où il fait très chaud, hein, et où on se couche, les couples se couchent et font, si possible, l'amour. Le drap du rêve, le drap du souffle, le drap du Lazzarone, c'est-à-dire celui qui attend, comme ça, de ressusciter à la société, qui n'a pas de travail, qui, tout d'un coup, en trouve et qui est habillé d'un drap déchiré, disons, avec une ceinture de ficelle. Et le drap de la résurrection à la liberté et aux fins apaisées. Son masque noir au bec noir et au bonnet blanc sont juste au corps rouge. Ce qu'on n'a jamais remarqué, c'est qu'il y a les deux couleurs, parce qu'il y a les choses les plus évidentes, on ne les voit pas. Il y a deux couleurs dans le personnage en opposition, etc., de Pulcinella. Mais vous avez une espèce de pull dessous, tricoté, rouge, qui apparaît en fente sur le ventre pour rappeler la naissance, pour rappeler une vulve probablement. Et vous avez ici un trait rouge et qui indique aussi probablement une souffrance ou une tête coupée. Donc vous avez ou le rouge de Saint-Janvier, etc., parce que tous réunis à Naples, hein, on tire le fil de l'écheveau et on a toute l'histoire de Naples depuis 3000 ans, ce que je ne veux pas vous faire, parce que ça aurait trop longtemps. Donc, les métamorphoses, on les verra dans Siamo Uomini o Caporali. Vous savez que Toto divisait le monde en Uomini et Caporali. Il dit heureusement qu'il y a moins de caporal que d'hommes, parce que les caporaux sont ceux qui donnent des ordres, etc., qui méprisent, qui écrasent l'humanité. Et Toto, figurant à Cinecittà, apparaît dans ce film « On est des hommes ou des caporaux » avec son chapeau melon au milieu d'un tournage sur l'Empire romain, et finit par faire tomber à l'eau caméra et opérateur. Dans « L'Empereur de Capri » que nous allons voir après, avec son compère Mario Castellani, c'est une farce énorme, pour parler avec, avec Flaubert, de Luigi Comencini de 1949, qui commence par un rêve du signor Fazio, simple serveur dans un grand hôtel. Toto se rêve en empereur de Tibet, en empereur Tibère à Capri, qui choisit sa favorite du jour, et se réveille houspillé par une belle-mère velue, une femme falote apparemment, et un neveu vrai chippie fouineuse. Métamorphose, il sera bientôt le personnage le plus adulé de Capri, et vous le verrez tout à l'heure dans le film. Enfant, raconte Toto, on m'appelait au spione, l'espion. Plus d'une fois, depuis toujours, je me suis surpris en marchant dans la rue à suivre quelques types extravagants. En observant minutieusement ses gestes et assimilant sa façon de marcher, de bouger, de saluer et de gesticuler. Si j'étais un féru de psychanalyse, il faudrait que je définisse cette maladie comme le complexe des frères siamois. J'ai l'impression qu'un fluide me lie à lui. Je deviens l'autre côté de l'individu que j'observe, constituant avec lui un couple idéal de jumeaux. Ça, c'est Toto qui parle de lui. Et maintenant, c'est Federico Fellini qui dit « Face à Toto, on était frappé du même émerveillement qu'un enfant ressent lorsqu'il est confronté à un phénomène féerique, à une apparition fantastique. Et il y avait aussi la joie et la gratitude de voir l'incroyable, le prodige, la fable soudain se matérialiser, réel, palpable, à notre portée. » Quand le prince de Courtis meurt, quand Toto meurt, quand ils meurent tous les deux, en homme humain, comme il aimait à dire pour qualifier les hommes dignes de ce nom, il meurt donc, aveugle depuis une dizaine d'années, le 15 avril 1967, à Rome, une simple bénédiction à 11h20 le lendemain dans l'église de Saint-Eugène. Mais c'est le surlendemain, à Naples, le 17 avril à 16h30, qu'il aura son premier cortège funéraire.
son premier cortège funéraire. 3 000 personnes dans l'église des Carmes, la Chiesa del Carmine, et 100 000 devant l'église sur la Piazza Mercato. Soudain, des personnes s'évanouissent, sont prises de malaise, tombent en criant. Toto est là, là, là. Il marche au milieu d'eux. C'est sa doublure, c'est Dino Valdi. Un mois plus tard, un second cortège funéraire, organisé par un boss camorriste de son quartier de la Sanita. Un guapo, surnommé Coricane, cœur de chien. Cérémonie dans l'église de la Sanita, cercueil, fleurs, couronne, cortège, avec cette seconde fois un cercueil vide, croit-on. Certains racontent qu'ils ont trouvé que les 6 hommes qui le portaient peinaient un peu, flanchaient à peine sous un certain poids, feinte, émotion réelle des 6 épaules musclées. Le fait est qu'on n'a plus revu Dino Valdi la doublure. Dans Toto Truffa 62, l'imitation, la métamorphose, le transformisme, passer d'un personnage à l'autre, en un clin d'œil, même d'un sexe à l'autre, vous allez voir, transformiste, vocable qui qualifie aussi un politique, qui passe d'un parti à un autre, avec grand naturel, un transformiste. Toto Truffa 62 est un sommet absolu d'un changement de sexe, un super féminiel. Alors, l'homme-femme à Naples s'appelle féminiel, c'est-à-dire qu'il s'habille en femme, il veut vivre en femme, c'est un homme, et dans les jeux de hasard, on aime bien qu'il soit présent, parce qu'on dit qu'un féminiel a grazia a situazione, porte de la grâce dans la situation qu'on est en train de vivre. Donc, voilà, il est en super féminiel, parce qu'il est parfaitement bien. Et le contexte de ce film dont vous allez voir tout de suite un morceau, c'est que Toto, le personnage qui est Toto, a une fille dans une... entretient sa fille dans un pensionnat de luxe, hein, Lausanne, etc. Et il apparaît dans ce pensionnat comme le père, le père diplomate de sa fille. Alors, il paraît habillé, il arrive dans une Rolls-Royce, etc., alors qu'il est pauvre, il n'a pas un fifrelin. Alors, ces façons d'arnaquer, hein, Toto Truffa, c'est Toto l'arnaque, façon d'arnaquer dans toutes les situations, y compris en se déguisant en femme, etc., mais il joue de toutes les possibilités pour recueillir de l'argent. Il a 2 complices pour sa fille. Il vend même à cette occasion la fontaine de Trevi à un Américain. Oui, donc tout est bon, mais en même temps, c'est d'une astuce fabuleuse. Alors on va voir peut-être le deuxième, Toto Truffa 62. Deuxième extrait. C'ho tutto sulle mie spalle. Sì. Povera donna, ho tutto sulle mie spalle. Guardi che spalle. Sì, vedo. Guardi che spalle. Vedo. Tocchi. No, signora, perché? Ma che fa? Non mi guardi così. Oddio, lei mi fa un senso, con quegli occhioni. No, lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio.
Ma che gli fa le donne lei con quegli occhi? Ma che le fa le donne con quegli occhi? Con quegli occhi? Ma che gli fai? Niente, niente. Ma che gli fai? Scusi, sai, sono esuberante. Sì, signora. Signora, non faccia così perché io sono fatto di carne. Anch'io sono fatto di carne, la mia carne urla. No, signora, non mi provochi, perché io sono un uomo. Anch'io? Anch'io dico sono debole, sa, sono debole. C'è signora. No. Mi chiami signora? Signora. Mi chiami Lola? Lola. Ti piace? No. Mi chiami Lola? Lola. Anzi, Lolita. Lolita. Ti chiami Lolita? Lolita. Ti piace Lolita? Sì. E che ti fai Lolita? No, niente. E che ti fai Lolita? Voilà, donc ce que je ne vous ai pas dit, je m'en excuse, c'est que pour ceux qui ne comprennent pas beaucoup l'italien ou qui n'ont pas compris, c'est qu'il s'agit du propriétaire de la maison, de son appartement, et qui lui réclame des mois et des mois d'arriéré. Et donc, c'est, vous avez vu que. Il l'a compromis, il l'a inventé avec son complice, qui était son mari, et il arrive un peu comme dans Toto a Colori, que vous avez vu au départ, il arrive avec son poignard pour le menacer, et en fin de compte, ils obtiennent tous les deux 3 ans de remise pour qu'il ne soit pas tué. Quoi. C'était... Mais la scène est tellement... Alors il y a des jeux de mots, vous voyez, qui sont... pratiquement intraduisible. Hein. Con quegli occhi, pourquoi me regardez ? Vous me regardez avec des yeux qui mi spogliano et qui me dévêtent. Enfin, et il lui dit spogliatoio. Spogliatoio, c'est l'endroit justement où on se déshabille, hein, les sportifs, etc. Donc, on pourrait traduire ça. Vous avez avec ses yeux. Vous me dévêtez, dévestière va. Vous voyez, pour le jeu de mots. Mais vous rendez compte que tous les films de Toto sont pleins de jeux de mots de ce genre-là. Quelques-uns facilement compréhensibles, mais d'autres qui sont plus difficiles. On va passer à un autre extrait, hein, tout de suite. J'en ai à la suite comme ça, jusqu'à la fin. Che cosa sono le nuvole? Alors, c'est un sketch de Pier Paolo Pasolini. De 1967, dans un film qui s'appelle Caprice à l'italienne. Et il s'agit toujours, comme dans le premier extrait que je vous ai donné, de marionnettes. C'est un spectacle que j'appellerais un spectacle ex-voté de la naissance à la mort, de l'amour, s'il y a une très belle chanson d'amour vraiment déchirante, de Domenico Modugno. Qui a pour titre Che cosa sono? Qu'est-ce que sont les nuages? Que sont les nuages? Qui dit Che possa essere dannato se non ti amo? Que je sois damné si je ne t'aime pas? Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo. Tout mon fol amour, c'est le ciel qui le souffle. Et cette chanson qui se développe au début du film, on va voir le début, puis jusqu'à la fin. Et de la jalousie du crime, donc plus ou moins suspendu. Et là, on a étonnamment un Iago, Toto Iago, un Otello, Ninetto Davoli, et une Desdemone, Adriana Asti. Et vous verrez, c'est très beau. Mais dans le film entier, quand on le voit, c'est 35 minutes après, on voit que Toto est malheureux parce qu'il a été contraint par Pasolini, et il aimait tellement être libre. Mais là, c'était la veille de sa mort. Hein, il était contraint. Quoi. On le voit très bien. Mais là, il est tellement exceptionnel que vous ne le verrez pas. L'extrait. Niente, tutto
mio folle amore, lo soffia il cielo, lo soffia il cielo. Come sono contento. Beato te. Quanto è carino. Perché sono così contento? Perché sei nato. E perché? Che vuol dire che sono nato? Vuol dire che ci sei. Ma l'erba suavemente delicata di un profumo che dagli fa. E questo che è? L'immondezzaro che canta. L'immondezzaro? E che fa? È uno che viene e se ne va. Sì, viene, prendi morti e se ne va. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo, così. Voilà, c'est du sketch de Pasolini. Loin des utopies, alors Naples n'a jamais connu et jamais voulu de révolution. Naples fuit toutes les utopies. Campanella, le moine qui a inventé le goulag du bonheur dans la ville, dans la Città del Sole, la ville du soleil, a passé 25 ans dans, hélas pour lui, mais 25 ans dans les prison du château Saint-Elme, dans le château Saint-Elme qui est perché au-dessus de la ville. Naples se rebelle, comme elle a été la première ville à se rebeller contre les Allemands, sans que les Américains soient arrivés, avant l'arrivée des Américains. Ce sont les fameuses quatre journées de Naples, qui est à main nue, comme contre l'Inquisition, qui n'a jamais pu mettre les pieds à Naples, seul cas au monde. Comme le fait qu'il n'y a jamais eu de ghetto à Naples, la parole et le mot ont été le mot et la chose ont été inventés à Venise. C'est l'endroit où on jette le fer à Venise et où était jeté, parqué aussi la communauté juive. Et jamais à Naples, il y a de ces choses-là. On accueille, on s'enrichit de l'autre, et la xénophobie, on ne connaît pas. On ne sait pas ce que c'est. Et l'autre apporte toujours quelque chose. Si bien que quand la communauté noire à Florence avait été blessée et qu'il y avait eu des morts, ils sont venus à Naples et ils ont mis une banderole sur la mairie, au balcon de la mairie. Ils étaient tous au balcon de la mairie. Et sur cette banderole, il y avait « Nous siamo umani », « Nous sommes des humains ». Et on retrouve là « Siamo uomini umani » de Toto. Donc, loin des utopies récupératrices et des nuages à la Pasolini, Toto naît géographiquement, historiquement, linguistiquement, librement, entre le « yeteco », autrement dit le « phtisique », et « l'ente cavour », autrement dit les lunettes de Cavour. Vous savez que la langue napolitaine vient de la plèbe. C'est la plèbe qui enrichit la langue. C'est-à-dire ceux qui savent théoriquement ni lire ni écrire. Et le yeteco, regardez cette science, cette force d'expression. Le yeteco, c'est le Vésuve. Il l'appelle le phtisique, c'est-à-dire celui qui crache le sang de la terre. Celui qui tousse et crache le sang de la terre. Regardez comme cette image, comme elle est forte. O yeteco. Et quant au lente de Cavour, autre chose pour le Vésuve, tant que j'y suis, Vésuve, on a inventé tout un tas d'origines du mot Vésuve. En fin de compte, les Napolitains du peuple l'appellent depuis toujours et même maintenant à montagne. À montagne. La montagne. Pourquoi? Ils ne le savent pas, mais parce que Ves, en indo-européen, veut dire la montagne. Ça vient de là. Donc c'est une science, une intuition sur les choses et la façon de nommer les choses, c'est-à-dire d'appartenir à ces choses et qu'elles vous appartiennent, qui est proprement napolitaine.
Quant à l'Henriette Echo, vous avez vu. Quant à Hélène Tecavour, c'est simple. Pendant jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, les menottes étaient appelées les lunettes de Cavour, Hélène Tecavour. Pourquoi ? Parce que celui qui est le secrétaire de la prétendue unité d'Italie, qui est une des unités qu'on vit actuellement et qui a été simplement une colonisation du Sud par le Nord, eh bien, celui qui pouvait y voir et qui avait des bésigles, eh bien, il n'a rien vu et ces bésigles se sont transformés en menottes. Mais ça n'a pas été inventé par quelqu'un qui a fait des recherches. C'était indiqué dans les quartiers, etc. Et il est parti Coelen Tecavour avec les lunettes de Cavour au poignet. Donc, c'est pour vous dire que Toto naît dans cette création linguistique. Hein, il en fait partie et il l'augmente par son génie. Et donc, loin des utopies et géographiques, etc., et tout se fait aussi au son moqueur d'une pernaque. La pernaque, si vous voulez, se fait avec la main droite. Je ne vais pas vous la faire, hein, comme ça. Et en soufflant et en agitant le pouce, vous avez le son d'un pé que vous modulez selon que vous voulez l'envoyer loin contre quelqu'un qui passe ou contre un puissant. En général, c'est ça. Quand passe quelqu'un qui fait un discours, par exemple Salvini, à Naples, il a eu une quantité de pernacles. Mais ça, on ne vous le filme pas, on ne vous fait pas voir. Donc, c'est la façon de repousser, la façon de faire éclater le sérieux. Le sérieux, l'esprit de sérieux et en même temps le mensonge. Et la pernaque, d'ailleurs, est enseignée par De Filippo dans le film L'Or de Naples, c'est le professeur qui dit non, mais vous n'allez pas vous battre contre ce monsieur qui vous empêche de mettre des étals, etc. Non, vous avez pas sortez pas les couteaux, non, rien. Vous savez ce qu'il faut faire. Il réfléchit un moment et puis il leur dit, voilà, ce qu'il faut faire, c'est ça. Et quand il passe avec sa grosse voiture, le gros monsieur, etc., très riche, au milieu des quartiers pauvres, une pernaque extraordinaire fait qu'il perd toute dignité, celui qui la reçoit. Vous voyez. Donc voilà, je vous l'ai dit, c'est un paix prolongé, modulé, éclatant, souverainement obscène. Paix de la bouche avec la peau tendue de la main droite ouverte vers l'extérieur entre pouce et index et de la gauche agiter le pouce pour laisser passer plus ou moins le souffle. Je ne vous la fais pas, je pourrais la faire, mais je ne la fais pas parce que je ne veux pas vous envoyer une pernaque, c'est tout. Hein. Alors c'est pour dégonfler, avec les joues gonflées, vous dégonflez tous les pouvoirs. Bah, c'est ça le truc, c'est toujours le contraste. Gonfler les joues et vous dégonflez le pouvoir. Parce qu'il n'y a personne en face, c'est plus se mettre. D'ailleurs, la pernaque, dans un camp de concentration, où il y a Toto, un de ses films, sort, il fait un discours, etc., très, Uomini e Caporali, d'ailleurs, c'est le film Uomini e Caporali, et Toto, au milieu du discours, fait une pernaque. Et puis alors, le discours qui est, il a fait ça, etc., puis il se dénonce, en fin de compte. Mais ça a immédiatement arrêté les hurlements nazis au milieu du camp. Et je dois dire que sa façon de décrire le camp, de s'en moquer, etc., Bénigne, il lui doit beaucoup. On va voir maintenant un extrait de L'Or de Naples, de Vittorio De Sica, 1954, scénariste, outre De Sica, l'immense Cesare Zavattine, que j'ai bien connu, Zavattine, qui est le père du néo-réalisme.
C'est lui qui il me disait, tu sais, quand on arrivera à ce que chacun ait une caméra dans la rue et filmera, eh bien, ça sera ça le vrai néoréalisme. Alors, je ne sais pas si on est arrivé avec nos portables téléphoniques, mais c'était ça, c'était la diffusion de la caméra et du film sur tout le monde, comme ça. Et le néoréalisme, toutes ces théories, là, un très beau livre qui a été publié à l'origine chez De Noël, qui s'appelle Cinévie. Zavattine est au cœur du néoréalisme italien. Voleur de bicyclette, etc. C'est à l'origine, c'est toute la philosophie de Zavattini. Et puis il y avait l'auteur Giuseppe Marotta, hein, donc De Sica, Cesare Zavattini et Giuseppe Marotta qui a écrit le livre L'or de Naples. Alors attention, en italien, l'or di Napoli, c'est l'or de Naples, mais c'est aussi, c'est un jeu de mots, l'or di Napoli, eux de Naples, le petit peuple, etc., ceux qui souffrent, ceux qui sont exploités par la Camorra, eux de Naples. L'oro, c'est eux. C'est l'or de Naples deviennent le petit peuple, etc., qui est vraiment l'or de Naples. L'oro, l'or. Donc, numéro 154, je passerai un passage du Guapo, où Severio Petrillo, qui est le nom du Pazzariello. Le Pazzariello, c'est quelqu'un qui est muni d'instruments de musique un peu partout, de clochettes, etc., et qui circule dans les rues et qui va inaugurer des magasins en échangeant, dans le film, on verra, mais pas ce soir, mais le 22, en échangeant, le 22 dans sa totalité, en échangeant des, par exemple, le produit que vend le commerçant, si c'est un commerçant qui vend des pâtes, etc., c'est un paquet de pâtes, et puis ensuite, c'est la musique autour, il joue de sa musique, il a tout ce qu'il faut pour être à lui seul, le Pazzariello, un orchestre public. Et donc, Saverio Petrillo a eu le malheur d'héberger un boss camoriste dans sa maison, il a femme et enfant, et ce boss petit à petit a pris, comme il le prend dans son quartier, c'est le quartier de la Sanita, le pouvoir sur tout le monde, par des menaces, par des ordres, par de la violence, par du chantage, il n'est plus maître chez lui. Il l'a recueilli dans sa famille quand son épouse est morte. Maintenant, il doit aller régulièrement au cimetière pour jeter, sur l'ordre du camoriste, une fleur sur la tombe de sa femme, de la femme du camoriste. Hein, et on jette une fleur sur la tombe des morts parce qu'on ne sait jamais, ils sont peut-être encore au purgatoire, ils sont pas tout à fait au ciel, et cette fleur, on est dit qu'elle est pour rafraîchir, rinfrescare le anime del purgatorio, qui sont toujours avec des ailes de feu, que vous voyez dans les niches, hein, de la ville de Naples, qui flambent. Alors il y a différents personnages, et on les voit en torse, avec des ailes de feu, alors on leur donne une fleur pour les rafraîchir, parce qu'ils ont besoin de fraîcheur, naturellement. Donc, Severio Petrillo, qui est pris en otage avec toute sa famille, dans son propre appartement, par ce Don Carmine, le caïd, et jusqu'au moment où, vous verrez, le boss arrive, il chancelle, et il est pris quasiment d'un étourdissement parce qu'on lui a dit que son cœur allait le lâcher. Et il éclate à ce moment le cri fondamental qui pourrait être universel. Et Toto, du bonheur, vous allez voir comment il fait avec le camoriste, parce que le camoriste doit avoir aucun bruit, le médecin lui a dit aucun bruit, aucune violence, rien du tout, le calme, etc. Et le cri de Toto, ça sera Voglio la mia vita, je veux ma vie, je veux ma vie. Et ce voglio la mia vita, c'est vraiment je veux la vie, je veux plus de la camorra autour de moi, je veux plus ce qui m'entrave, je veux ma liberté, je veux ma vie.
Et il crie « Je veux ma vie », il en est tellement ému qu'il a presque les larmes aux yeux de sa liberté retrouvée. Voilà. Alors, projection, je vais vous dire le numéro 4. Bon passage. C'est très beau, c'est vraiment la libération de l'individu de cette plaie qu'est la Camorre et qui a été institutionnalisée en 1860 par Victor Emmanuel II et Garibaldi, qui ont mis un des chefs camorristes les plus importants de Naples comme chef de la police. Et tout a été fait comme ça dans le sud de l'Italie, Camorra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita et Mafia pour la Sicile, si bien que je discutais avec Leonardo Sciascia, qui était mon père putatif, et je lui disais, mais écoute, avec tout ce que tu as écrit tous tes livres, dont Rose y a tiré des films, etc., bon, tous tes livres sont contre la mafia, et quand est-ce qu'on... tout est dénoncé, quand est-ce qu'on pourra en être débarrassé? Et il m'a répondu, quand le gouvernement italien se suicidera. Donc c'est vraiment une institutionnalisation, quand je dis institutionnalisation, je dis bien ce que je veux dire, de la Camorra, et que rien, même pas une image de film, peut être tournée à Naples sans la Camorra. Donc quand on donne à boire et à manger l'adaptation de Gomorra pour la télévision, en streaming ou autrement, on donne de l'instruction pour les jeunes et on leur dit comment faire pour être de jeunes et bons camorristes. Je trouve que c'est assez ignoble de faire de l'argent là-dessus, parce que les gens qui tournent sont aussi, eux aussi, des camoristes, parce qu'on ne fait pas payer pour les séries ou pour le film, même le film Gomorra, on ne fait pas payer, simplement les camoristes veulent être dans le film, comme ils étaient très heureux d'être dans le livre. Alors, vous voyez, s'il y a je sais qu'il est très difficile de désocler des choses qui ont été soclées publiquement, etc. Mais quand on comprend à fond les choses, je vous assure qu'on voit comment on vous raconte, pour l'histoire ancienne, comme pour l'actualité la plus récente, on vous raconte des choses qui masquent complètement la vérité.
Alors, on va passer à un autre film, un autre extrait. Dans Le culte des morts, qui est fondamental aussi à Naples, hein, le culte des morts, des crânes, vous en avez parlé tout à l'heure. Le culte des morts va jusqu'à ce qu'un personnage, le Toto, hein, le personnage qui s'appelle Ercole Pappalardo dans ce film, décide de mourir pour, depuis le paradis ou le lieu où il ira, envoyer à sa femme qui sera veuve et endormie pendant la nuit des chiffres du loto qui vont gagner. Donc il se dit, avec les saints, etc., je me débrouillerai. Ouais, voilà. Alors il meurt. Mais comme ils sont pauvres, extrêmement pauvres, c'était enterrement, ça doit coûter, alors il dit, ça doit coûter entre 20 et 50 000 lire, c'est trop, on ne peut pas. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est un film de Steno et Monicelli, de 52, tiré d'une nouvelle de Tchekhov, La mort d'un fonctionnaire, qu'on ne sait pas toujours, et la musique est de Nino Rota. Regardez, hein, si on dit un petit film inconnu, etc., vous avez Tchekhov, Nino Rota, etc., vous avez quand même, et Monicelli avec Steno, et donc il meurt, comme dans beaucoup de films de Toto, il ne meurt pas, mais ça le fait devenir fou parfois, de bureaucratie. C'est une bureaucratie intenable, et puis c'est une bureaucratie qui est intenable, vous ne le verrez pas, mais en voyant le film entier, on voit, sur la terre comme au ciel. Hein. Mais voilà, c'est Toto et le roi de Rome, et les rois de Rome. Toto est re di Rome, hein. Et puis c'est très bien trouvé pour la bureaucratie romaine, c'est l'enfer, il n'y a que ça à Rome. Ne prenez pas à Rome un autobus au mois de juin, juillet et août vers les 4 heures de l'après-midi, parce que tous les bureaucrates retournent encore une heure à leur bureau, et alors là, ce n'est pas des paix, c'est des rots que vous allez avoir. Hein, c'est Toto et les rois de Rome. Donc le numéro 5. N'ayant pas d'argent, ayant décidé de mourir pour aller chercher au paradis ou dans l'autre cieux les numéros gagnants pour sa famille, il est lui-même son propre cortège. Il s'est mis le banc autour du cou, et voilà. Jusque-là, le rapport à la mort, le culte des morts, la présence de la mort qui exalte l'existence. Et maintenant, vous allez voir un extrait de Voyage en Italie, que je présenterai entièrement le 22, de Roberto Rossellini, 54. Alors, vous avez un couple de Britanniques désenchantés, d'abord, loin de la vraie vie, Catherine, Ingrid Bergman, et Alexander, George Sanders, jusqu'à la procession finale du miracle, où ils se retrouvent, après s'être écartés, ils ont décidé de divorcer, etc. Ouais. Finale du miracle sur la côte amalfitaine. Alors, le miracle est tourné à Maiori, sur la côte amalfitaine. Alors, on croit qu'on est en plein dans les terres, et en fin de compte, on est en deux pas de la mer, mais peu importe. Et il l'a choisi, il était connu là-bas, Rossellini, donc il a choisi de... Mais il avait promis à chaque figurant 1000 euros et ils n'ont pas été contents parce qu'il n'a donné que 500. Mais tous les figurants étaient là. Alors, le rapport au calque, c'est-à-dire au calque, c'est-à-dire les calques, c'est les calques de Pompéi. Vous savez, ces formes blanches qui viennent de 2000 ans en arrière, et qui sont les morts saisis au moment où ils fuient la pluie de cendres. Ils sont aplatis comme ils sont, mais il y a un chien ou deux, etc., des animaux,
Et on a trouvé un cheval ou deux. Je crois. Ces temps-ci, on découvre beaucoup de choses. Et donc, ils sont dans la forme. Alors, comment cela se fait-il? Les calques de Pompéi datent de 1863, c'est-à-dire par un directeur génial, il y en a parfois, Giuseppe Fiorelli. Alors, les cendres qui entourent les corps, les corps sont pris par ces cendres hein, qui entourent les corps, et ont pris la forme de ces corps en les entourant. Et pendant 2000 ans, une fois que les corps sont emprisonnés comme ça, ils se décomposent naturellement et cela crée une cavité qui a la forme du corps. Et dans cette cavité, on glisse du plâtre, on fait couler du plâtre. Le plâtre devient dur et prend la forme du corps qui est mort, déchiré de douleur, comme ça, dans tous les gestes, depuis 2000 ans. Voilà comment ça se fait. Et vous allez voir, dans l'extrait que j'ai choisi pour vous, le couple d'anglais, la femme ne supporte pas de voir la mort. Elle veut vivre encore avec son mari. Ils ont décidé de divorcer, mais enfin, bon, elle aurait voulu un enfant. Elle accompagne à un moment donné une connaissance, une amie napolitaine dans le cimetière des Fontanelles où il y a des centaines, des milliers de crânes. Et elle est étonnée de voir que cette femme se met à prier. Elle dit, mais pourquoi tu pries? Elle dit, mais je prie parce que je veux avoir un enfant. Je veux avoir un enfant. Elle prie au milieu d'un cimetière de crânes, vous voyez. Donc, comment elle s'appelle, Catherine, ne supporte pas de voir ses corps parce que ça lui rappelle beaucoup de choses. Ça lui rappelle tout simplement qu'elle ne fait pas le lien entre la mort et la vie et elle réagit uniquement à la douleur et à la représentation de ses corps morts et blancs à Pompéi. On peut passer le numéro 6. Two people just as they were at the moment they died. Un uomo e una donna. A man and a woman. Perhaps husband and wife, who knows? May have found death like this together. What's happened to Mrs. Joyce? I don't know. Is there anything I can do? No, I'll talk to her. Catherine, what's the matter? What's happened to you? Oh, Alex, this is too much. I can't stand it any longer. Please take me home. I want to go home. I don't want to stay here any longer. Well, if that's what you want, but we can't relieve these people like this. I mean, they've been very kind, and it isn't something that they do every day. We owe them some kind of explanation. Well, you explain to them. Say I'm sick or something. All right. Look, my wife isn't feeling very well. If you'll excuse us, I think I'll take her home. Oh, I'm terribly sorry. Do you want me to go with you? Do you know the way out, or would you like me to take you somewhere where she can rest? Come, I'll show you. No, I think it's much better if I go myself. She doesn't want anyone around just at the moment, if you understand. But she'll be all right, and we'll probably be back in a few minutes. All right. Is this the way out? Yes, that's right. Alors, en face de cette familiarité essentielle avec la mort, l'œuf est aussi essentiel à Naples. L'œuf de Virgile, château de l'œuf, hein, l'œuf de Virgile, c'est la légende selon laquelle Virgile aurait enfermé un œuf dans le château. Et au-dessus du château, il y avait, bon, c'est un peu long, il y avait la villa de Lucullus. Et Virgile a écrit une partie de l'Énéide dans la villa de Lucullus. Lucullus n'occupait plus l'ancienne villa de Lucullus. Et
Et donc, l'œuvre de Virgile, c'est-à-dire que si le château, l'œuf est cassé, le château de l'œuf est entraîné dans l'eau et entraîne avec lui tout Naples. Si bien que quand, la dernière guerre, les Allemands avaient passé une DCA sur le toit du château, les Napolitains, quand les avions venaient et bombardaient, les Napolitains de Santa Lucia, du quartier Santa Lucia, qui est juste, qui est à côté, s'enfuyaient. Ils n'avaient pas de connaissances sûres, mais ils savaient de génération en génération que si le château était détruit, l'œuf de Virgile explosait et entraînait toute la ville dans la mer. Et donc, pour ma part, bon, j'ai analysé tout ça. Pour ma part, je pense que c'est une partie des rouleaux de Virgile qui devait être cachée dans cet endroit-là qui n'était pas encore le château tel qu'on le connaît et qui a été une église byzantine après, etc. Mais avant, je pense qu'une partie des rouleaux de l'Énéide devait y être et que l'œuf est là pour œuvre, l'œuvre de Virgile. Et ce qui donne le même résultat. Et puis il y a l'œuf de Déméter, je vous en ai parlé tout à l'heure au bord du lac d'Averne, les deux œufs de cristal qui renferment le sang de Saint Janvier pour ses miraculeuses semestrues, ce que j'ai appelé le semestru de Saint Janvier, qui est un homme qui saigne comme une femme. Il est devenu le saint de Naples, pourquoi ? Parce qu'il avait ces deux qualités, c'est-à-dire qu'il avait la qualité de l'œuf, c'est-à-dire de l'avant-séparation des sexes. Il est à la fois homme et femme. C'est un homme, mais il saigne comme une femme. Et vous voyez qu'il y avait une autre sainte, Santa Patrizia, au même moment, une femme, Santa Patrizia, on recueille son sang, elle est jeune, etc. Son sang est dans l'église de Santa Patrizia à Naples. Elle n'est pas devenue sainte de Naples. C'est une des saintes comme ça de Naples. C'est le patron de Naples, c'est Saint Janvier. Alors que ça aurait pu être équivalent, mais on ne choisit pas dans ce cas-là celle qui naturellement saigne. Mais choisit, c'est un grand mot, hein, par miracle, par intuition, par tout ce que vous voulez. Mais l'homme qui, tous les six mois, saigne, et notamment le 19 septembre, le jour de sa décollation. Voilà, et puis alors là, vous allez voir dans l'extrait qui est assez bref de Toto Tcherkakaz. Hein. C'est tout de suite, toujours après les guerres, etc. C'est un film de 49 de Steno e Monicelli. C'est le seul film de Toto qui m'a fait vraiment rire, a déclaré Antonio De Curtis, c'est-à-dire Toto lui-même. La même année, crise du logement d'après-guerre, Toto alias Beniamino Lomacchio squatte la faim au ventre, une classe dans le lycée Garibaldi, avec sa femme, sa fille et son fils. Une chanson napolitaine Sordate, soldat, hein, parole du poète Libero Bovio, dit « I son napolitano e si non canto moro », je suis napolitain et si je ne chante pas, je meurs. Je crois qu'on pourrait compléter en accompagnant Toto « I son napolitano e se non rido moro ». Je suis napolitain, si je ne ris pas, je meurs. Et si le rire est bien le propre de l'homme, alors c'est bien à Naples que le rire s'est fait homme, dans cette ville-nation que Toto disait « Regina è più bella una femmina », reine plus belle qu'une femme. Voilà, on peut passer l'extrait de Toto Tcherkakaz, le 7. A quell'avanzo di un genitore riformato, minorato... E ladro di uova! Signore, non le permetto fare certe insinuazioni alla mia presenza, capito? Lei si trova di fronte a un indegerrimo avventizio anagrafico. Io voglio sapere dove ha preso quest'uovo. Ancora è caldo. Caldo? Sì. Possibile. Poi, è caldo. Ebbene, glielo dirò. Però lei mi deve promettere di non dire nulla a nessuno. Vuol sapere la provenienza di quell'uovo? Quell'uovo l'ho fatto io. Ah sì, eh? Fa le uova lei, eh? Modestamente, cosa vuole? Eh sì, è stata la guerra. Mancanza di cibo,
penuria di vettovaglie. Mi sono adeguato. È la parola giusta. Adeguato. Me ne faccia subito uno. Così? Su due piedi? Così, su due piedi. Mi faccia un uovo. Ma lei sa che per fare un uovo ci vuole l'atmosfera. Mo se non fai subito l'uovo vedrai quello che ti succede. Va bene, glielo farò. Voilà. Donc c'est une très belle scène. Donc c'est là, vous allez voir que dans le dans la suite, mais là je vais vous raconter, je veux dire quand même que on va voir deux extraits d'un film qui est négligé même par les cinéphiles, d'un film de Rosi, Francesco Rosi, La Belle et le Cavalier, avec Sophia Loren et Omar Sharif. C'est pas un film engagé, et de Rosi, on a vu que les films engagés, et moi j'ai dit à Rosi, je lui ai dit, tu sais, La Belle, donc c'est C'era una volta, Il était une fois, en italien, je dis, il est bien, c'est vraiment un chef-d'œuvre, il est vraiment plus intéressant, il est plus beau. Je ne sais pas quelle expression j'ai pris, mais je dis ça en qualité. Je préférais ce film à ces films engagés comme Main basse sur la ville. Et il a baissé la tête comme ça, et puis il m'a regardé avec les yeux un peu rieurs. Il m'a dit, je crois que tu as raison. Donc c'est vraiment un film auquel on ne pense jamais, La Belle et le Cavalier. C'est celui que je préfère de lui avec Salvatore Giulia, non ? Il est de 1967, tiré des contes de Giambattista Basile. Giambattista Basile, c'est celui qui a donné toutes les fables qui ont bercé nos enfances occidentales. Si vous savez, vous voulez savoir d'où vient Cendrillon, Cendrillon vient des pentes du Vésuve. C'est un grand recueil de fables, toutes les fables que nous connaissons et qui ont influencé, mais qui ils les ont édulcorées, Perrault, les frères Grimm, Ludwig Tieck en Allemagne. Et tout cela vient du Vésuve, tout cela vient de Naples, Giambattista Basile, publié début du XVIIe siècle. Donc, il y a ici une présence extraordinaire du co-scénariste qui s'appelle Tonino Guerra. Tonino Guerra, c'est celui qui a inventé les plus belles scènes dans les films de Fellini, par exemple Le Pan dans la neige à Marcorde, vous vous souvenez, etc. Tonino Guerra, un poète romagnol, quelqu'un qui il me disait, tu sais, j'étais dans un camp de concentration, je suis sorti et j'avais une faim immense, j'ai vu un papillon, il s'est posé sur ma manche et je ne l'ai pas mangé. Et Tonino Guerra est quelqu'un d'exceptionnel, je l'ai bien connu. Et on voit sa présence dans la première scène que vous allez voir, la scène des œufs. C'est une scène où... Alors, il a tourné dans la Chartreuse de Padoue, là. Si vous allez dans le sud de l'Italie, c'est à une centaine de kilomètres à peu près au sud de Salerne, pas, moins au sud, 50 kilomètres de Salerne à peu près. Et c'est une Chartreuse, je vais vous dire un peu, construction début de 1306. Et on a connu des passages baroques, etc., au XIXe siècle, et elle fait 42 000 mètres carrés, 32 000 mètres carrés habitables, 320 cellules chambres, 13 cours, 500 portes, 550 fenêtres, 41 fontaines, 51 escaliers, le grand cloître où se passera le repas final du film de Rosi, fait 15 000 mètres carrés, 15 000 mètres carrés le cloître, rien que le cloître. Donc, les œufs, une sorcière rend inutilisables ses œufs pour une omelette géante, alors que cette omelette de 1000 œufs a eu lieu historiquement, elle a été faite sur l'ordre de Charles Quint en 1535, retour de la conquête de Tunis, dans la Chartreuse de Padoue, où Rosi a tourné cette scène et d'autres. Le premier extrait, donc, c'est la belle paysanne Isabelle, Isabelle, Sophia Loren, dans la première partie du film,
défie le noble chevalier espagnol, le prince Rodrigo Omar Sharif, qui a tous les droits sur ces sujets. Nous sommes sous les vice-rois et non sous les rois des deux Siciles. Hein. Tiens bien à dire, les vice-rois ont été souvent infects. Et le chevalier punit Isabelle, là, mais les nobles napolitains étaient pires, parce que quand le vice-roi demandait un donativos d'impôt sur les fruits, par exemple, c'était un noble napolitain qui les recueillait en multipliant par trois l'impôt. Et il s'en mettait deux dans la poche et un pour le vice-roi. Donc, c'était dans l'Omex géante a eu lieu, dans la Chartreuse de Padoue, là. Et donc, le premier extrait, ce sera le premier extrait, on les fera les deux à la suite. Hein. Le second extrait est magnifique. Magnifique, et on se quittera sur cette image fabuleuse. C'est la belle paysanne Isabelle. Elle est punie parce qu'elle a été insolente par le prince Omar Sharif, qui l'a fait enfermer dans un tonneau. À un moment donné, on voit l'œil de Sophia Loren par la bande du tonneau. Mais arrive la sorcière et lui dit « Isabelle, tiens-toi bon ». Et elle fait rouler le tonneau, parce qu'elle devait rester trois jours dans le tonneau au pain sec et à l'eau. Elle fait rouler le tonneau qui s'en va, qui roule. Les soldats n'arrivent pas à le rattraper et qui s'en va jusqu'à la mer où une bande de gamins voit ça, regarde, enlève la bande et il y en a un qui dit « Mais il y a une femme là-dedans ». Alors ils ont... ils ouvrent le tonneau et vous avez une image de Sophia Loren, vous verrez, qui est comme ça, on dirait Vénus dans sa coquille, mais c'est dans les douves éclatées du tonneau qui lui font comme une fleur, et le cœur de cette fleur, c'est cette femme magnifique. Voilà, c'est un passage, les deux passages très beaux. Vous verrez le rôle des œufs, là c'est un rôle défensif. Et pas d'omelette pour le vilain, vous allez reconnaître le cuisinier, qui est un Français. C'était Monsou, on les appelait des Monsou, les cuisiniers, sous les Espagnols, monsieur. Hein, ils ont gardé ce nom de Monsou, le grand cuisinier. Et puis, vous allez voir le rôle de l'œuf qui ne reste plus un œuf sous la magie de la sorcière. On peut y aller. 8-9. C'est le cas de le dire, 8-9. Quoi ? Manger mes beignets, mes vol-au-vent, mes pâtés, mes suprêmes de volaille. Mamma mia, quando si frutta. Vai a caricare i sacchi di farina. Thank you.
tanto, mamma, non su tanto, tanto. Ma voglio meglio lì. Beh, voglio. Cadinti, ci sta una femmina. Porta, la vigna. Avanti, prego. Vieni, prego. Io sono qui, chiamo, carabinieri, vieni, vieni, vieni. Vabbè, vabbè, che stava dietro con me. Uno, no, no, uno, no. Io, qui, la vecchia. Voilà, je vais vous dire deux, trois mots encore. Donc vous avez vu les poussins, Pulcini, Pulcinella, on revient à l'image initiale. Saltimbanque se qualifiait-il en public, Toto, avec l'humilité des hommes humains, uomini umani. Il laissait entendre dans un soupir qu'on le reconnaîtrait mieux après sa mort. Reconnaîtrait en tant que... Même s'il était célèbre, il sentait qu'il allait au-delà de cette célébrité éphémère du film qui distrait. Sophia Loren, de ses yeux magnifiques, a su remplir de larmes émues les yeux sans vue depuis deux lustres du prince de Curtis. Toto pour les enfants et les amants du gai savoir, la veille de sa mort, de la mort de ce cœur analphabète, comme il disait de lui-même en chantant dans le film de Mastro Cinque de 1955, en avance de 43 ans sur La vie est belle de Roberto Benigni, où, par exemple, au cœur d'un camp de concentration nazi, l'homme a le courage, dans le jeu et la pernacchia, de futiliser. Futiliser, c'est un verbe qu'il a inventé, et futiliser dans le drame, dans la tragédie. C'est futilizziamo, le drame, la tragédie, et leur caporaux. Dans Siamo uomini e caporali, une de ses si nombreuses et déchirantes chansons, en récitant une de ses si nombreuses et déchirantes poésies, cor e analfabeto, au cœur analfabète. Quando te vaso a voca volutata. Regardez comme c'est beau en napolitain. Quando te vaso a voca volutata. Quand je baisse ta bouche de velours. Chisto veluto ma carezza o cuore. Ce velours me caresse le cœur. Où la plèbe de Naples d'abord et donc du monde peut se reconnaître. Questo cuore analfabeta, ce cœur analfabète, tu l'as emmené à l'école et il n'a appris à écrire et il n'a appris à lire qu'un seul mot, amore, avec deux M, amore, et rien de plus. Amour et rire, deux choses sérieuses, una cosa seria, qui font aussi étincelle comique. Mi scompiscio dalle risa, s'esclave Toto, et il sait qu'il n'est pas le seul dans les salles obscures où l'on projette sa figure lumineuse comme une perle baroque irrégulière, mouvementée, son masque qu'un coup de poing ludique a déformé. Il sait qu'il ne sera pas le seul, larme à l'œil, à se pisser dessus de rire. Merci.